Le livre d'Ésaïe, chapitre 18. Malheur à toi, pays des grillons ailés, situé de l'autre côté des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies des messagers par mer dans des embarcations légères qui flottent sur l'eau. Allez donc, messager rapide, trouver la nation grande et glabre, le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Vous tous, habitants du monde, vous qui peuplez la terre, lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes, regardez. Lorsque la trompette sonnera, écoutez. En effet, voici ce que m'a dit l'Éternel. Je veux rester tranquille et regarder de ma place, pareil à la chaleur des rayons du soleil, aux nuages porteurs de rosée dans la chaude période de la moisson. Avant la récolte, quand la floraison sera terminée, quand le raisin commencera à mûrir, et se transformera en grappe. Il coupera les sarments avec des serpes. Il enlèvera, il élaguera les branches. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres et toutes les bêtes sauvages de la terre l'hiver. À ce moment-là, des offrandes seront apportées à l'Éternel, le maître de l'univers, par le peuple grand et glabre, par le peuple redouté bien au-delà de ses frontières, par la nation puissante qui écrase tout et dont le territoire est traversé par des fleuves. Elles seront apportées à l'endroit où réside le nom de l'Éternel, le maître de l'univers, sur le mont Sion.